J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode 2 des Vlogmas. Et comme dans le tout premier Vlogmas, je vais vous montrer un petit peu ma journée. Enfin, plusieurs jours condensés en un vlog. Et puis voilà. Je ne change pas les bonnes habitudes. Comme en début de vlog, je vous montre du coup mon petit outfit du jour. Donc voilà, j'ai choisi de mettre un pantalon de costume avec une veste peu tailleur. De costumes également. Dans mes vlogs, je vous montre aussi les derniers petits colis que j'ai reçus. Donc j'ai reçu un colis de chez L'Oréal. C'est pour soutenir les coiffeurs du coin qui utilisent du coup les produits de L'Oréal. Donc là, j'ai reçu la série, j'ai reçu des produits de la gamme Série Expert. Hop, donc il me semble que là j'ai reçu un shampoing et un masque. Et j'ai reçu avec une petite lettre. J'en profite pour vous dire que la plupart du temps on écrit mal mon prénom. Donc c'est pas grave, hein. Mais ça s'écrit avec un Y. Voilà, comme ça. Dernier petit colis que j'ai reçu cette petite carte de vœux du site Naloa. Donc une carte de vœux en bois vraiment originale. J'ai d'ailleurs un code promo pour vous qui est Mello Christmas. Ça vous offre moins 10% sur votre commande. Et donc voilà. Hello. Je vous retrouve avec Laure. Encore ? On a filmé la vidéo que vous aurez sûrement déjà vue. Parce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer à Laure. Je triche un petit peu en fait. C'est des vidéos pré-filmées pour que vous ayez comme une sorte de calendrier de l'avant. Ouais, la voiture, on a pas aimé. Laure découvre en avant-première la vidéo du 1er décembre que vous aurez déjà vue du coup. Laure tenait à préciser et c'est vrai, j'avoue, c'est ma fan numéro 1. Je vais faire des bêtises. Non. Je vous mettrai le TikTok parce qu'à mon avis, il va sortir quand vous regarderez cette vidéo. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's so tight. Here we go. It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around. To rock around. That's right. On time. It's tricky. This little girly, her hair was kind of curly, went to her house and busted. Désolée, je vous retrouve seulement maintenant. C'est une grosse journée pour moi aujourd'hui. J'ai plein de petits trucs à faire, mais pas forcément des trucs intéressants pour vous. J'ai dû conduire cette petite boule de poils au veto. Il a fallu que je monte une vidéo pour ma chaîne YouTube et là, faut que je passe ma valise. C'est parti. Enfin, ça y est, mes valises sont prêtes. Franchement, j'ai pas arrêté aujourd'hui. Je suis claquée. J'ai changé de chemise. J'ai été beaucoup trop chouette avec mon pull. J'ai pas arrêté de courir partout. Bon, du coup, c'est vrai que je vous ai pas trop dit pourquoi je faisais mes valises, etc. Mais en fait, on doit partir du coup avec mon copain dans le sud de la France. Donc, pour des raisons familiales qui sont loin d'être joyeuses. Donc voilà. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer, j'ai eu le temps de me faire des petites ondulations avec mon waver de chez Pentapro. J'en profite pour vous montrer du coup ce que sur Instagram, quand je l'avais acheté, vous avez été pas mal m'envoyer des messages pour me dire ce que j'en pensais, etc. Donc lui, je l'ai acheté, hein. C'est pas un produit que j'ai reçu. Ça me faisait envie depuis un moment, que j'en suis super contente. Ça permet de faire des petites ondulations, de donner du volume à vos cheveux, mais sans que ce soit trop bouclé. Donc tu te mets toute nue.
je vous retrouve dans un autre jour pour continuer ce vlog, comme vous l'aurez sûrement vu dans les images précédentes. Mais je reviens de 2 semaines où j'étais dans le sud de la France avec mon copain. Bon, comme vous en doutez, j'ai la période et les circonstances, je ne suis pas partie pour des vacances, mais plutôt pour des raisons, voilà, pas forcément très drôles, des raisons personnelles et familiales qui concernent essentiellement mon copain, mais voilà, je l'ai accompagné, ce qui fait qu'on a quand même pu profiter, malgré les circonstances, un petit peu du paysage, du climat, et on a pu prendre l'air un petit peu, donc voilà, vous allez voir, il y a des images assez sympas pendant les jours où on n'avait pas grand chose à faire, où on a profité, voilà, de se vider un peu la tête et de sortir, étant donné que ça nous était autorisé. Donc voilà, et du coup là je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu pas mal de colis. D'ailleurs je vais vous montrer ça, je vais vous montrer aussi la tenue actuelle parce que dans le sud j'ai fait un petit achat chez Calcedonia. Et donc je me suis pris ce petit collant là de chez Calcedonia, je le trouve trop canon avec les écritures et tout. J'en profite pour vous montrer du coup ma petite tenue du jour, du coup avec toujours mon collant de chez Calcedonia. Un petit ouais dentelle qui vient de chez Zara, ma jupe je sais plus, je crois H&M, mes petits bijoux de chez Daniel Wellington, toujours. Et j'ai fait une coupe un peu à la Brigitte Bardot avec mon serre-tête là. Ah oui, j'allais oublier, je vais vous montrer tous les colis que j'ai reçus. Bon, c'est qu'une partie, hein. Mais j'ai reçu pas mal de trucs, il va falloir que j'ouvre tout ça et que je m'organise dans mes planifications partout. Je me retrouve quelques heures plus tard, la luminosité du coup a changé, il fait déjà nuit. Donc ça y est, j'ai été faire mes petits achats de Noël, tout est fait. Donc je suis en avance cette année, c'est très très bien, je suis dans les temps. Faut que je finisse de terminer mes petites affaires. J'en ai profité pour vous faire un petit plaisir. Ça, je me suis repris un serre-tête en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour les serre-têtes. Je me suis pris ça. Je me suis pris aussi des petits faux ongles chez Primark parce que je sais que ça va pas me tenir longtemps. Mais pour les fêtes, c'est très bien, sachant que j'ai les ongles courts. Puis pour l'école d'inf, il faut avoir les ongles courts tout le temps. Donc bon, je peux pas me permettre de faire une manucure. Donc ça, c'est très bien. Voilà, petite astuce. Bon, c'est carrément le bordel sur mon lit. Je suis en train d'ouvrir une partie des colis que j'ai reçus. Donc là, c'est une commande Shein. J'ai trop hâte d'essayer les vêtements. Ben voilà, j'ai terminé d'ouvrir tous les colis et ça donne ça. Je vous montre rapidement du coup ce que j'ai reçu. Donc je disais un petit chemisier, imitation soie, je pense pas que ce soit de la vraie soie, avec un short en cuir taille haute, un petit crop top un peu en velours, comme ça la texture est trop douce. Un autre crop top ici, beige, donc ça je l'ai tourné parce que ça c'est le dos. Ça fait un effet un peu dos nu avec un petit nœud. Une petite jupe plissée en cuir, taille haute aussi. Un pantalon à pinces noires, je l'ai essayé, ça fait un peu pantalon tailleur et tout, j'adore ce style-là. Un peu workinger. J'ai reçu ma commande de la part de Ocean's Apart, donc avec qui je suis en collaboration aussi. Genre trop trop beau cet ensemble-là. Ils m'ont envoyé aussi, ils m'ont fait la surprise, donc ils m'avaient demandé de choisir 2 tenues. J'avais sélectionné la tenue blanche. Du coup, je vais souffler, pareil. J'avais sélectionné ça et ça. Et ils m'ont fait la surprise de m'envoyer aussi le sweat avec, genre trop trop bien, il est trop confort. Voilà. Et aussi l'ensemble de beige que j'ai reçu avec qui je suis en collab aussi, ils m'ont envoyé un des derniers ensembles. J'adore. Le premier que je me suis acheté chez Lounge avant même d'être en collab avec eux, c'était ce modèle là en bleu turquoise. Il est trop trop beau. Donc là je suis trop Roy. Donc là je suis trop contente de pouvoir l'avoir en une autre couleur, couleur un peu moutarde. Roy. Ah non, tu touches pas. Tu me rends mon soutien. Et pour Noël, c'est vrai que je vous ai pas fait de wishlist ou quoi, mais moi en fait cette année je voulais juste un gros cadeau. C'était c'est mon appareil photo, donc je sais que je vais l'avoir, mais je l'ai pas encore. Genre dans ma famille on joue vraiment le jeu, genre on s'offre les cadeaux entre le 24 et le 25, mais pas avant. Donc quelquefois on a des petits trucs avant, mais voilà, le gros cadeau je l'aurai normalement le soir ou le lendemain, le 25. Donc normalement je vais avoir mon appareil photo, donc le Canon G7X PowerShoot, que je voulais du coup pour pouvoir faire mes vidéos YouTube, mes vlogs, etc. Donc je suis trop contente. Et normalement aussi, parce que jusqu'à maintenant je montais avec Premiere Pro, et je vais changer de logiciel de montage, donc je vais sûrement aussi avoir Final Cut Pro. Mais c'est un logiciel qui coûte cher, c'est 329 euros. Donc voilà, en plus de l'appareil photo, normalement,
c'est mes cadeaux de Noël. Voilà, c'est déjà énorme. Je suis très reconnaissante de pouvoir avoir ça. Donc j'ai hâte, je suis comme une gamine, de pouvoir ouvrir mes cadeaux de Noël. Donc voilà pour ma wishlist, c'est pour ça que ça, y a pas, voilà, y a pas 50 trucs, mais c'est des gros cadeaux. Donc voilà pour ça. Bon bah ce vlog du coup touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura quand même eu assez du contenu intéressant, qu'il vous aura plongé un peu dans la magie de Noël encore un peu plus avec moi. Et voilà, n'hésitez pas à me retrouver tout de suite sur Instagram. Et puis sinon bah voilà, abonnez-vous, commentez la vidéo, j'adore lire vos commentaires, avoir vos retours, ça m'encourage aussi à faire plus de vidéos, à continuer. Et puis voilà, vous faites très gros bisous et à bientôt pour un prochain vlog. Ciao ciao.